Hello, hello, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester notre drone pour la première fois. On s'en est acheté un il y a 2 semaines à peu près, je crois. Je suis trop excitée. Alors je pense qu'il est dedans. La surprise. Et là aujourd'hui c'est la première fois qu'on va le faire voler parce que bien sûr on n'a pas le droit de le faire voler à Paris et en très proche région parisienne, enfin dès qu'on est en ville on n'a pas le droit. Donc là on est à peu près à 30-40 km de Paris, on a pris la voiture et on s'est trouvé un petit champ où on va essayer de le faire voler. On a regardé sur l'application, il y a une application où on peut voir où est-ce qu'on a le droit de le faire voler, et là ici on a le droit de le faire voler jusqu'à 50 mètres. Donc de toute façon je pense qu'on va même pas aller aussi haut pour notre première fois, mais voilà, j'ai trop hâte d'essayer. J'espère que ça va pas être trop compliqué, qu'on va pas faire de bêtises, j'ai un peu peur là-dessus, mais voilà, je vous montre tout ça. De toute façon, on va falloir calibrer au début. Il a l'air un peu ridicule là, mais il est en train de talonner le. Oui, c'est ça. Donc je pense que tu es obligé de le faire avant chaque vol. C'est parti pour le décollage. Ah ah, regarde. C'est vrai? Il paraît tellement tout petit, mais là il est à 11 mètres de haut. Je suis en train de le faire descendre. Tellement stylé. Tu fais quoi là, loulou? Je vais le faire atterrir sur la route. Il est content! Ah, il est bas. Il est là! Tu fais doucement, hein? Oui! Ouais, première mission accomplie. Trop bien, j'ai trop hâte de voir le résultat, ce que ça donne. Mais franchement, c'était bien, non? Ah ouais, c'est trop cool. Génial. Bon bah ça y est, on vient de faire le premier vol avec le drone. Julien est trop génial. C'était trop bien. Bon là, il était en mode débutant, donc on était limité en oui. termes de distance. Il pouvait caler à 30 mètres de son point de départ. Mais bon, et ça, à 30 mètres en hauteur. Et à 30 mètres en hauteur. Bon, c'est qu'on n'est pas allé jusque là. Non. Mais voilà, ça, c'est vraiment génial. Enfin, on peut faire tellement de belles choses. Après, c'est pas facile de gérer toutes les manettes en fait, et ce qu'il faut avancer et parfois. En fait, c'est hyper réactif. C'est-à-dire que tu bouges un tout petit peu le joystick, ça. Mais ça, j'avais déjà réglé. Tu peux le régler. C'est moi, j'avais l'habitude de mettre des gros à-coups, alors ouais. qu'il faut y aller très doucement. Un peu plus doucement. Soit progressif pour pas que ça fasse soit des grands balayages, soit des zooms ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment trop bien et je pense qu'on va vraiment faire de belles choses avec. Ouais, c'est trop bien, ça fait des trop belles images. Moi j'étais impressionnée qu'on peut monter super haut, ça rend trop bien. Et bon, faut qu'on appréhende un petit peu la bête et qu'on
qu'on apprenne à la manier, mais franchement, c'est trop trop cool. Et là, il y avait un peu de vent. Enfin, je sais pas, la météo dit que 20 km/h, et moi je pense qu'il y avait un peu plus. Et franchement, ça tient bien. Hein. Ouais, il est vraiment super stable. Il est hyper stable. Et quand on touche pas aux manettes, il reste vraiment en mode stationnaire. Donc voilà, on est trop trop contents. J'espère que les images rendront bien quand même, parce que du coup, on vous en serrera quelques images qu'on a prises aujourd'hui. Et là, prochainement, on va bientôt aller à Grenoble, donc on va essayer de faire des images en montagne. Je pense que ça peut être trop beau. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez un drone, vous aussi. Si vous avez des conseils et tout ça aussi pour apprendre à mieux piloter. Ou des petits tips, on est preneur là-dessus. Ouais. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.